Bonjour à tous, je vous retrouve sur la 7.2 pour cette première vidéo qui est tirée de cette version. Je vais vous présenter bien les petites nouveautés et puis les compos des armées qui vont se rencontrer dans ce 3v3. Allez, je vous montre les compos. Alors, elles sont pas complètes, hein, comme vous pouvez le voir ici. C'est juste pour vous donner en exemple quelques unités en référence. Le British qui fait le carré grâce à ce petit sigle ici. Sa vitesse de déplacement qui sera très important comparé par exemple ici à ceux de la garde. Je vais vous montrer celui-là. Voilà, un L4, il sera plus rapide. Celui-ci ne fait pas le carré. Attaque en mêlée 14-23 pour celui-là. 14-23. Le British Foot 14-23. 11-21-5. Morale de 30. Unité à 112. L'OTT à 123, il me semble. Voilà, 123. Donc là, ça va compter dans les assauts qu'on va voir de la garde. Oui, parce que j'ai fait la bataille en live, mais ce petit retour sur les compos, je l'ai fait après. Donc vous allez peut-être le sentir dans les commentaires durant la bataille où je n'avais pas prévu de faire ça, mais au final, ça permet de présenter un peu les unités qui ont combattu et certaines réactions en jeu qui pourront vous surprendre. Vous avez une très bonne cavalerie, toujours avec le principe de la vitesse représenté ici pour la cavalerie. C'est une C4, en comparaison, je vais vous mettre le hussard qui est un C7, donc qui est beaucoup plus rapide. Si je montre le hussard en C7 qui va se frotter hop, à celui-ci, C7, celui-là et C8, donc il sera en capacité de le rattraper si au niveau fatigue, il tient la route. C'est ce qui va se produire. D'ailleurs, on ne va pas le voir. Je vais le louper pendant la vidéo, ce combat-là, mais pas les autres combats de cave. Le Prussien de l'équipe des RG qui va miser sur la Landwehr. Alors, beaucoup de Landwehr. Je vais vous les retrouver. Alors oui, j'ai une présentation particulière que j'ai téléchargée là pour avoir une facilité à choisir mes unités. Qui vous cache un peu la compo. Ah, mais tu vas venir là, toi. Laquelle c'est là? C'est les chuches. Je les chuches. Alors, je connais pas trop l'histoire de la Landwehr dans la période 1813 qui ont constitué les armées prussiennes, mais ils étaient visiblement bien entraînés puisque au tir, ils avaient quand même une habilité au rechargement de 55. Un gros moral de merde, mais surtout, eh ben, ils étaient nombreux. Ça faisait masse. Ça reste une masse qui, quand la cavalerie cogne dedans, abaisse très vite le moral si elle est entamée. Si elle ne l'est pas, elle est susceptible de tenir et vous causer quelques problèmes. C'est ce qu'on verra. Donc, un tir relativement bon. Celui-là, 55 aussi. L'importance du rechargement, c'est sa vitesse à laquelle elle va vous balancer ses balles. Là, pareil, de grosses unités. Alors, il en avait constitué quasiment toute son armée, hein, il me semble. J'avais vu comme ça doit donner ce genre-là. Il en manque un peu. Il avait un dragon aussi. Alors, beaucoup de cavalerie Landwehr. Alors, des unités, par contre, plus classiques, qui vont pas faire la différence. Ce que vous entendez au loin, c'est mon canari qui se sent plus pisser. Hop, là, le dragonneur, qui a été l'unité de cave la plus lourde. Et pour le reste, il avait ça. Bon, grosso modo, il avait ça. Mais une armée très massive. Il avait dépassé les plus de 3000 hommes. En face, celle qui pouvait s'y opposer, c'était l'Autriche, qui avait dans ses unités ce type d'unité. Vous voyez, hein, habilité à rechargement, au moins d'habilité à rechargement que la Landwehr. Un meilleur moral, bon, a déjà un bon paquet, mais il lui manque 60 hommes, on va dire, par rapport à une Landwehr. Bon, l'un face à l'autre, c'est chaud. Déplacement à L2 ici. L'armée autrichienne est très lente. Ça rappelle son commandement qui était vraiment, dans tous les récits, assez lamentable. Hop, je vais aller voir. C'est un L1, donc la Landwehr dure aussi à bouger. On le verra durant la vidéo. Ici, du grenadier, le voilà. Une bonne armée à hein, 1799, avec de très belles stats. Par contre, des unités avec beaucoup moins d'hommes.
Donc elle va souffrir, elle peut souffrir. Vous voyez l'habilité à recharger qui reste honorable quand même, du 60. Celle-là, elle est où? C'est ici. Alors toutes les petites affichettes ne sont pas faites. C'est du 108. Vous voyez, face à du 123, du 143 comme l'Autrichien, ça peut dérouiller un peu. Et l'anglais, il avait bien d'autres unités, notamment le premier foot guard là. Où est-ce qu'il est? Là, je vais le sortir, sa fiche. Voilà. Pareil, des unités un peu moins nombreuses, un peu logique, tout ça. Une très très bonne habilité à recharger. Elle peut recevoir une unité qui la charge, mais au-delà de ça, il y a du rifle, il y a du KGL. Je les enlève petit à petit pour sortir la fiche. Du KGL qui peut faire l'affaire. L3. À souvenir hein, pour si elle doit se barrer face à d'autres unités qui peut être plus lente. Donc je rappelle un peu quand même sur ces fiches le L ou toutes les lettres avec un chiffre, plus le chiffre est élevé, plus l'unité est mobile, facile à manœuvrer. Ici, ce petit rond là. C'est pour la formation du carré. Votre unité peut former le carré. Il y en a beaucoup plus chez les Anglais, un peu moins là, dans l'armée autrichienne, où il faut monter quand même dans les unités d'élite, coûte un petit peu plus cher pour pouvoir avoir du carré. Sinon, eh ben, il y aura toujours l'effet masse avec les 143. Par exemple, ici, 163 là, et toujours se méfier d'une unité désorganisée qui commence à frôler la moitié de sa somme d'hommes qui sonne généralement la déstabilisation de l'unité, voire sa perte morale, et elle repliera beaucoup plus rapidement. Voilà une présentation relativement rapide des compos. Et puis la petite nouvelle, l'armée perse, l'armée iranienne qui s'est battue contre les Russes durant la période napoléonienne, même avant, même après, ils auront été des adversaires importants. Le reste des changements, c'est surtout dans la mécanique du jeu. Voilà, je vais vous, ben, dans le montage, je vais vous remettre maintenant la bataille. Et puis, ben, vous allez voir que ces compos que je vous ai détaillés en partie, eh bien, vont se rencontrer et vont donner un résultat relativement serré, puisque la bataille va se finir sur un 3-2. La vidéo 4v4 commentée par Matou et Stanley reprend la bataille qui a suivi celle-ci, qui était un peu la revanche des Templiers. Allez, je vous laisse avec les combattants et le premier commentaire que j'avais fait concernant la bataille. Ça démarre gentiment, hein, c'est une knock map sur Italie 2. Vous avez ici l'armée autrichienne avec en cavalerie de choc ses cuirassiers et une infanterie assez intéressante, assez nombreuse d'ailleurs, à savoir que le nombre ne fait pas forcément la différence. Il y a aussi la qualité de tir, il y a le taux de rechargement et aussi la capacité à faire le carré. Si vous regardez en dessous, Österreich 20, la petite étiquette là d'unité, vous avez un petit logo, une espèce de petit rond là à gauche de Dutch Liner Infantry. Ça, c'est le signe que ces unités font le carré, chose importante vu la puissance de la cavalerie à l'heure actuelle. Voilà, on va dire que ce sont essentiellement les unités les plus instruites, les unités d'élite. Et notre Autrichien, alors je ne sais plus qui a pris quoi là-dedans, puisque je n'y étais pas. L'Autrichien, il y a Wolf. Je verrais bien Wolf chez l'Autrichien. Pas trop de cavalerie, hein. Il n'y a pas de spécialité donnée à certains corps d'armée. On a vu des joueurs prendre essentiellement de la cavalerie. Là, c'est la cavalerie anglaise. British Light Dragoon, rien de percutant. Il y a quand même donc pour l'instant choc les cuirassiers, beaucoup d'infanterie, à savoir que les Anglais, eux, font pas mal. Alors là, c'est les Anglais débarqués
au Portugal avec leurs alliés. Visiblement, les Portugais ne sont pas allés à la même école que les Anglais, puisque eux ne font pas le carré à surveiller en cas de charge de cavalerie. Cette armée, la péninsule est couverte, alors, pas par grand chose. De l'artillerie, par contre, du 6. Ok, ça en fait 2. Pas mal d'infanterie là pour l'instant qui avance. Et de l'autre côté, encore un Anglais. Damned! C'était inspiré Templar sur ce coup-là. Alors, du rifle. King German Légion Dragon. Très bon dragon. Qui peuvent servir au choc. King German Légion. King German Légion. Du bon tir. Du rifle. Alors, les skirmisher. Capacité des Anglais au rechargement. Très bon moral. Un peu mou du genou sur le CAC. À mon avis. Là, il y a quand même de l'élite et de l'écossais. Qui eux résistent bien. Bon moral pour l'armée anglaise en règle générale. Donc, pas mal de points là sur ce 3v3. Hop là. Alors, première connaissance. Première connaissance entre les reconnaissances. Alors là, ça tape. Ah, du Land V1. Ah ben, oui. Peu de morale. Elle avait la charge pour elle. Hein. On l'a vu démarrer très vite. Oh, ça a démarré. L'avant-garde. Alors en face, l'avant-garde a tout de suite tapé la garde impériale. Wouh! Alors là, celle-ci, elle tape dur. C'est stabilisé la caméra là-dessus. Gendarmes d'élite, les immortels. Rien que ça. Oh, ils ont amené leur sandwich. Hein. Ok. Patate, tout ça, c'est déjà arrivé. Alors, Dorsen Jean-Marie, de son prénom. Unité d'élite, générale par la même occasion. Artillerie de 6 de la jeune garde. Je sens qu'on va voir de belles unités sur cette partie. Et de l'autre côté, eh bien, beaucoup de cavalerie. Mais de quoi donc? De coin donc? De coin donc? Land vert, oui, beaucoup, mais point de qualité. Dragon, alors là, c'est. On a la garde et en France 1799, donc la possibilité de très belles cavaleries. Là, la cavalerie de bataille pour le choc, les dragons également. Et en face, il y a quand même de la belle cavalerie. Il y a le cuirassier là-bas. C'est Blücher avec ses hussards. Et Napoléon en général. On a la totale, Dorsen, Napoléon. En face, c'est quand même du lourd. Alors, le Prussien 1813, qu'est-ce que. Puisque, comme vous avez pu le constater dans les versions en évolution depuis 5.1 jusqu'à 7.2, de nouvelles factions ont fait leur apparition qui sont des nations qui ont été revues par rapport à leur époque, avec des unités qui leur correspondent, ce qui est une très très bonne idée, puisque durant cette longue période de combat, eh bien, les armées se sont adaptées au fur et à mesure, non pas d'une évolution technique, car on en est resté aux mêmes armes, même si le canon rayé a fait son apparition, mais pas de manière significative sur le champ de bataille. C'est surtout la division en corps d'armée et puis l'organisation des états-majors qui ont évolué avec le moral, on va dire, la détermination pour les armées alliées, notamment allemandes, pour libérer un territoire qui serait devenu national avec cette notion très d'actualité toujours. De nationalité, de conscience de nation pour les armées et le fait de le défendre. Alors voilà pour la mise en bouche de la garde face à l'anglais là-bas.
Alors, ça va pas être la même chose, hein. C'est pas le même niveau, même si les Anglais tirent bien ici, on va quand même avoir une grosse différence. Alors, la loc, toujours le même principe, prendre les étoiles numérotées avec le chiffre. Alors, nous, les Templars sont en bleu, 1, 2, 3, 1, 2. Grosso modo, ceux qui vont être devoir développer leur attaque, ça va être le camp d'en face. Ah, le camp d'en face qui s'installe. C'est qui ça? France 1780. 19 avec des belles unités. Hein. Ça reste une très bonne faction. À 19 points, mais ça reste une armée très complète au tir comme, comme au cac à la charge. Chasseurs, là, ils ont vraiment pris du lourd pour prendre les maisons éventuellement. Alors, Blücher en soutien à l'arrière. Sinon, au tir, c'est du très bon. On voit le petit logo qui permet de faire le carré. Voilà, les vétérans. Oublier leur leçon. 1799. Voilà. En gros, la situation. Bon, les armées ne sont pas. Les avant-gardes se sont vite touchées, mais là, ça s'enraye un petit peu la machine. Là, d'ailleurs, l'anglais prend position. Oui, les Templiers vont jouer sur la défensive puisqu'ils ont l'avantage au point d'entrée de jeu. Alors, est-ce la bonne stratégie? Petit échange d'amabilité entre l'artillerie qu'on voit ici, là-bas, au fond, celle de la garde, et puis son homologue anglaise. Très important de faire attention au relief. Après, c'est pas non plus l'arme de précision, hein, à une certaine distance. Bon, l'anglais a pris position, il a mis quoi dans la maison là? Deuxième bataillon, une unité de base. C'est bien partagé, les compos sont équilibrés là sur chaque corps d'armée, on va dire. L'Autrichien a du nombre, je vais le rejoindre vite fait là pour aller voir ce qu'il fait. C'est pour ça que j'ai pas la caméra debug, sinon je m'enfonce dans le sous-sol. Il pousse un peu la rocosse sur le côté. Je sais pas, ils ont beaucoup de cavalerie, après ils n'en ont pas l'avantage en termes de qualité, j'ai envie de bien précis, peut-être sur la garde encore. Mais là, le brouillard de guerre joue son rôle. On ne voit pas encore l'armée complète. Voilà, celle-là va se faire plaisir. Ouh! Le trou qu'elle a fait, alors, c'est un trou. Combien de morts? Ah ouais, quand même! Ah oui, là elle prend en enfilade. Oui, là le Français a compris que la situation n'était pas glorieuse pour sa ligne. C'est repli immédiat pour se mettre à l'abri parce que là-bas en enfilade, le boulet là, il aurait pu continuer à faire très très mal. En un seul coup, ouais. Ah, c'est renforcé par le Prussien qui montre un peu sa tête avec du mousquetaire, rien de percutant, de l'infanterie de base, de la cavalerie médiocre. Pour l'instant, je ne sais pas quelle stratégie il a fait. Là, il y a du grenadier en réserve. Ah, ils sont quand même bien fichus pour l'offensif, les RG là. Très bonnes unités. Grenadier. Faut pas le carrer, ces petites bêtes. 1799 toujours. Ah, garde des consuls ici. Alors, en gros, leurs unités d'élite en arrière. Et ils postent à eux d'avancer d'ailleurs. Voilà. Ah là, il va chatouiller sur l'arrière. Ah,
Il a pas trop groupé son unité. Est-ce qu'il va arriver au bout? J'en doute quand même là. Ouais. Ah, il l'a pas vu. Alors, pris sur le côté à l'arrêt. Voilà. Alors, ce coup-ci, il a compris. Les Oulan, tout le monde silence. Bon, c'est stoppé. En plus, cette unité se retourne. Ah oui, oui, là, il a un peu poussé. Elle a bien fait de tirer, celle-ci, quand même. Bon, elle tire un peu de ses hommes, mais elle sauve la batterie sur ce coup-là. Hein. Qui se gêne pas pour se signaler, d'ailleurs. Première alerte, là, qui a été chaude. Oui, c'est que des joueurs qui ont l'habitude de se rencontrer. Maintenant, des joueurs vétérans pour la plupart. Donc, ça va donner. Le français monte à l'assaut, là, j'ai l'impression. Il monte avec quoi? Légion Lombarde. C'est que de la bonne unité. Hein. France 1799, il n'y a pas grand-chose à jeter. Alors, le Prussien est toujours sur des mousquetaires. Il a peut-être de la réserve plus loin en élite. Ici, la garde qui semble être contenue. Rien de... Voilà, il va envoyer ses flanqueurs pour aller... chatouiller l'artillerie. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours d'Orsène. Hein. On n'a pas encore vu toutes leurs armées hein, se déployer. Bon là, ça va être attaque sur le flanc droit des Templiers qui ont de la réserve planquée ici. Les cuirassiers qui vont en position. Plus grand chose en cavalerie hein, de ce côté. Un cuirassier, un Uhlanen. Alors que là, ils se font tourner par la cavalerie de bataille. Oula, où tu vas toi, mes mères, là? Ah ouais, ouais. Ça, c'est le petit truc. Quand vous avez une unité qui fuit, elle revient pleine balle. Et celle-ci, son joueur ne l'a pas vu revenir. Et elle s'est fait plier joyeusement. Ah ouf! Ça... C'est que de la daube, mais en nombre. Face au cuirassier, je doute quand même. Le dragon français, il va leur falloir. Ah bah, l'autre arrive, ouais. Avec ça, par contre, alors, réaction de l'Autrichien. Pour l'instant, tout se passe ici. Je vais aller voir ce qui se passe là, quand même. Hop là. Ah, à charge. Nos hommes battent en retraite, monsieur. De l'anglais ici. Alors, l'anglais, ça doit être Gillot, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'il a fait sur les flanqueurs là? C'est dans la forêt, ça va pas être simple de s'en apercevoir. Les flanqueurs ont pris les pas assez sévères au final. Alors, il y a une unité qui a fui. Ah, les flanqueurs ont. La garde, c'est au niveau moral très costaud. Ah, c'est ici. Alors, pourquoi elle a fui celle-là? J'ai pas vu. Elle a dû se faire tirer dessus. Ah, artillerie. Prussienne qui arrive à l'horizon là-bas. Et là. Le lancier a fait son affaire d'une cavalerie anglaise. Et oui, le lancier c'est du C8. Petit chiffre qui donne sa vitesse. Et la garde, eh ben elle va vite. Regardez ici. Le King Gemmerman Légion, c'est un C4. La badiole, évidemment. Alors lui, il vient chatouiller dans le coin là, voir ce qu'il peut faire avec. C'est qui? Des chasseurs à cheval de la garde. Bon, ça fait deux cavaleries de la garde connues là. Ouais, il cherche quelque chose, hein. Il cherche quelque chose. Et là, ça y est, ça tape. Bah, c'est ça ce qu'ils vont chercher. Ils sont venu essayer de réduire à néant la cavalerie anglaise. Là, ils ont bien fait le tour. Celui-là doit être un peu fatigué. Il a déjà... Ah, et puis c'est à proximité de la maison qui leur tire dessus. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Voilà, là, il se fait tirailler le français sur le flanc. Et ça, c'est pas bon. Du coup, le dragon résiste bien. Les gendarmes vont être un peu loin. Ah, tout le monde se barre. Voilà, ça c'est réglé. Alors de l'autre côté. Oh ben il était temps d'arriver là. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il court comme ça lui.
Bon, ça rigole pas. Là, alors, l'Autrichien se redéploie. Et là aussi, vous avez des petits chiffres tout en bas, sur la première ligne, sous le titre de l'unité. Vous avez un chiffre, c'est L2. Et l'Autrichien est très lourd du QQ. Il va chercher l'artillerie, lui. Hein. Il se tire dessus. Alors, aura pas. C'est tout juste ce qu'il va la cogner. C'est qui va lâcher là? C'est les Oulan. Ah, c'est de la lande verte hein, quand même. Voilà, elle lâche. Et l'artillerie aussi. Pendant que le reste de l'artillerie, massive en nombre mais mauvaise en qualité, est en train de se recentrer. Ah là là, ça chauffe là, ils sont en train de tenter de réduire à néant, ce qui les empêche d'avancer sur la maison. Et regardez, leur unité d'élite ici avance avec une première ligne pour la protection, on va dire. Voilà, leur grenadier. Il va y avoir. Ouais, il y a deux armées en mouvement là. La Prussienne, on va prendre un petit peu de champ. Donc leur cavalerie est sur les flancs. L'Autrichien se reforme. Et je vous parlais de ces lettres très importantes. Voilà, il prend. Ouais, ils ont très très bien préparé leur coup là. Hop, les grenadiers dans la boîte. L'infanterie de ligne devant la porte pour fusiller ceux qui voudraient y passer devant. C'est bien joué. Faut avouer, c'est bien préparé tout ça. Alors, le français, son infanterie, c'est de la L5. Je rappelle ici L2. Ce petit chiffre donne la vitesse de vos unités. Du coup, l'Autrichien a des unités massives. Monsieur, notre mais général est délicate à déployer. Il faut vraiment une anticipation énorme. Alors, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté là? Pour l'instant, ça va. Ça tiraille là ici. Bon, ça serait bien que la garde attende un petit peu, que je vois un peu ce qui se passe là. Ouais, au tir, il va prendre cher l'Autrichien. Il n'est pas encore déployé comme il le voudrait. En plus, il est menacé par la cavalerie sur son flanc. C'est très chaud là, cette. Oh, alors là, ça y est, on voit un peu plus d'infanterie. Heureusement que j'ai pas la caméra. Des bugs, sinon je serais un peu dans la merde pour suivre tout ça. Donc on a les cavaleries ici sur le flanc droit du dispositif des Templiers. Là, ça se reforme pour donner un coup de main à l'Autrichien qui est mis sous pression. Heureusement, la cavalerie anglaise, anglo-portugaise est revenue en position. Ah, ça pousse, ça pousse. L'armée française est très très bien réunie. La loque est juste ici, elle doit être prise à mon avis, c'est ce qui explique le mouvement de l'Autrichien, il ne reste pas à proximité de la maison pour éviter de se prendre l'effet moral négatif. J'allais voir un peu ce que fait l'anglais là-bas, avec la garde qui s'installe. Ah, ils sont un peu près là, hein, parce que là, la garde, voilà, il recule, la garde est protégée par, par les couverts ici. Alors, l'artillerie prussienne est en train de s'installer. Mousquetaire. J'en reviens, hop, à l'aile droite des Templiers qui a repris sa position. L'Autrichien, on va dire, s'est repositionné sans trop de problèmes. Il a retrouvé son artillerie, sauf que le canon est quelque part par là. Alors, ça va friter, hein, à un moment ou à un autre ici, ça va cogner. En tout cas, le mouvement, je ne vous dis pas les communications là, ça doit y aller. Voilà, l'anglais, l'anglo-portugais est en train de prendre la place et permet à l'Autrichien de faire glisser ses unités sur sa droite pour déborder le français. Il y a déjà beaucoup de tués ici. Alors forcément c'est de la bonne unité, mais de l'unité à 113 hommes, vous voyez la différence, 108, 163, il y a déjà beaucoup de pertes, mais elles peuvent durer, elles peuvent voir venir. Alors ici, la cavalerie en place, il en manque une hein, française, il y en a une autre qui arrive, ah un dragonneur, ok. Ça va être tendu, hein, parce que
Il n'y a pas de différence marquante entre les deux cavaleries. Il y a quand même un cuirassier ici. La cavalerie, il y a un dragoon et sans doute du hussard. Ça reste de la bonne cavalerie ici. Ah, je pense qu'il a décidé d'y aller là. Ça y est, c'est parti mon kiki. On va essayer de bien centrer la caméra quand même. Il y va, il y va pas. Ah ça y est, c'est parti. Alors. Alors l'anglais lui. Et il va laisser l'Autrichien se démerder tout seul. Vas-y mon gars. Non, il prend du champ. Voilà, c'est parti. Alors, le cuirassier n'a pas bougé, quasiment pas. Le premier à prendre le choc, c'est le Ulan. Mais alors, la lande verte, elle va pas faire long feu face au cuirassier. Ça s'est plié. L'anglais rectifie aussi assez rapidement le prussien. Bon, le prussien, il s'est fait déchiqueter là. Aller chercher du cuirassier avec de la lande verte. Après, il y aura peut-être ce mouvement enveloppant. Nous hommes battons retraite, monsieur. Il prend un peu. Ça y est, il marche lui. Ah, dommage, il n'aura pas la charge. À moins qu'il ait hésité à poursuivre. Alors, l'anglais poursuit ici. Ça amène du renfort. Après, ça va dépendre de la forme du cuirassier ici qui est au contact des dragons. Il y a deux dragons contre un ici. Il y a le général à proximité pour donner le bonus moral. Voilà, là pour l'instant ça cogne. Le français est dans l'expectative là. Il n'a pas intérêt de réussir. Il charge. Monsieur. Contre le dragon, eh bien, ouais, portugais, c'était pas conçu pour. Là par contre, les petits gars bouclettes contre les cuirassiers autrichiens. Est-ce qu'il a son gène, le français, qui pourrait lui donner un bonus moral? Ah ouh, là, le cuirassier il va prendre. Il y a les dragons qui viennent de lui arriver sur le flanc. Mais manque de bol. Sa cavalerie de bataille a lâché. Elle a pris cher. Oh bon, pour l'instant. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Cette opération. Ah, il en a encore, le prussien. Beau combat de cave, là. C'est tombé de tout écouter. Ça a été. Neutraliser, oh là, il y a de l'action là-bas, là, hop, ici, mais ici aussi. Alors, l'anglais s'est frotté à la garde, deuxième grenadier, ça n'a pas fait plaisir, ça, certainement. Eh ben, ils se font plaisir sur cette partie-là, c'est un peu la confusion pour l'instant. Oui, bah c'est lui qui fout le bordel, les immortels, là, dans le troupeau d'anglais. Ça va pas le faire. L'anévrien, il est pas taillé contre l'immortel. Est-ce qu'il va le tenir? Ouais, ça y est. Lui, il s'est placé en carré. Et c'est qui lui arrive dessus? Ben, Jean-Marie, en pleine forme. Soutenu par sa cavalerie. Ah, ça tape, là. Les unités d'élite entre elles, on va dire. La garde est sortie. La garde est sortie, soutenue par ses lanciers. Eh ben, il a bien foutu la merde chez l'anglais, là. Et quand on tire, on ne tire pas. On court, on ne tire pas. Alors, ça donne quoi, la mêlée? Alors, il essaye de s'en sortir, là. Ah, ben, c'est général James Sterling des Black Watch. Qui tente de résister face à Monsieur Dorsen, mais il a la cavalerie en bonus sur Dorsen, et ça va poser problème. Ça charge. La garde, de toute manière, utilisée comme ça, c'est vraiment le bon pari, là. Ah, l'anglais lâche. La fiotte. Ah, il s'est positionné au tir, mais pour l'instant, il se fait déborder. En plus, visiblement, il a plus son artillerie. Et le français, oui. Cela va faire mal. Alors, ça continue à taper de l'autre côté. Mais je vais rester sur cette action pour voir un petit peu si ça va se finir, cette affaire. Il se repositionne, là, le premier foot guard. C'est quand même de la bonne unité. Ça tire très vite, ça tire très bien. Le français est un peu loin. Il y a eu du ménage de fait là. Hein. Le
leur attaque est quand même bien fichue. Il n'y a pas à dire. C'est qui gueule là? Ouais, c'est lui. Ils vont essayer de renverser la vapeur là et de renvoyer la garde à ces chers quartiers. Alors, Exhausted, Tyred, ça reste du costaud. Et puis là, il y a quand même Monsieur Dorsen qui est toujours là pour pouvoir faire le carré. Ils n'ont pas grand-chose pour pouvoir frapper les Anglais vis-à-vis des compos. Les RG, là, avaient quand même du costaud. Alors, par contre, lui, il est Tyred. Ah, il l'a vu arriver. Arrivé, je sais pas s'il va avoir le temps. Soit... Oh merde, il a eu le temps de tirer. Oh, et puis vas-y, le deuxième. Zou. Bon, bah, c'est plié pour elle. Alors de ce côté-là, et puis ben voilà, il joue défensif et il a dû sortir la tête. Ben, les cuirassiers qui arrivent, tout ça pour remettre un peu d'ordre. Il a sorti combien d'unités? Jean-Marie, voltigeur. Premier chasseur, il y a du lourd quand même. Puis là, avec l'artillerie, ça va être délicat de rester en ligne. Deuxième chasseur, même si la garde a ramassé, ces unités peuvent très bien tenir. Ouh, yoï, yoï, yoï. Là, ouais. Pas pouvoir tenir longtemps. L'anglais a pris cher, là, pour monter une offensive de ce côté-là. Ça me semble assez compromis, même si ces unités, on voit ici, reviennent. Ah, tiens, il nous a envoyé un petit pionnier. Tenter de prendre par surprise cette maison. Bon, on va retrouver notre Autrichien. Alors, là, l'objectif, ça va être de reprendre la maison. Nous sommes forcément battus en retraite, monsieur. Mais il y a du grenadier dedans. Et d'après ce que j'ai vu dans. Je cherche des grenadiers de ce côté-là. C'est quand même peu. Si, peut-être, mais. Ah, il a une artillerie pour le soutenir déjà. Ah, ça y est, on voit un peu plus de Prussiens qui a parié sur le nombre. Le voilà massivement. C'est toute la milice là qui l'a sorti. Un gros nombre de miliciens. Il a que ça. J'ai vu des mousquetaires, mais ça doit être son uniquement ça. Voilà, ah, du mousquetaire par ici. Une grosse artillerie là. Du. Ouais. Elle prend cher son artillerie. Oh bah ça y est, elle repart pour la deuxième fois. Hop, alors, comment ça se présente ici? Ça va vite, hein. De chaque côté, ça se fait pas de cadeau. C'était certainement pas le but du jeu. Et là, la maison tente d'être reprise avec des Dutch réserves, mais face à des grenadiers français. Il y en a quand même deux, hein, dans la boutique. Ah, ça tire avec dur. Là, le français va être mis en difficulté, certainement. Face à la ligne de tir, elle est quand même costaud. Il retire quoi là? Les grenadiers. Il va les mettre à l'abri. Il va les conserver. Voilà. Ça prend cher ici. Ah et oui. Il redistribue ses unités pour se faire renforcer par la lande verte. Qui va faire le nombre dans cette affaire. À défaut de faire la qualité. Peut-être remettre les grenadiers au centre. Alors, je retourne de ce côté-là. Alors, c'est quoi? Oh là là, ouais. Grosse armée massive d'unités pas chères. Mais au tir, elles peuvent durer. Regardez, il y en a 200 face à des unités de 112. Du cuirassier, de la cavalerie là-dedans, puisqu'elle ne fait pas le carré, mais ça reste de gros blocs. Alors, il y retourne là. Hop, 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 hop. Il va où? Il a cherché à voir l'artillerie à nouveau. Alors, l'anglais vient chatouiller la garde là sur le flanc. La maison n'a pas été prise. Le pionnier s'en est sorti vivant, mine de rien. Il va l'attaquer sur le flanc. Les unités de la garde sont très efficaces, très très chères.
pas de la garde pour rien. Hein. C'est... Ah tiens, encore un... encore une lande vert. Bon ben, il a dû partir sur un plan 100% lande vert. Ouais, c'est l'artillerie qui fait la différence là. Hein. C'est elle qui vient de plomber les... les dragons, et là il essaye de les avoir avec de tuer les artilleurs à coups de rifle. Intérêt d'être précis. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être eux qui étaient équipés de fusils. Canon. Par contre, ils étaient très durs à charger, s'encrassaient assez rapidement, étaient extrêmement précis. Si je récite bien ma leçon, c'est ce qui a limité leur utilisation. Alors, nous voici de l'autre côté, chez l'Autrichien qui essaye petit à petit d'éliminer son adversaire qui présente bah, ses landes vertes ici. Je vais vous montrer d'un peu plus près. On est pas dans l'eau. Alors, c'est un entraînement hein, pour ces hommes, mais une envie de se battre. Défendre la nation qui était assez forte, qui répondait un peu à l'époque là au Marie-Louise. Alors cavalerie, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va taper? C'est qui? C'est le général anglais. Ah bah il, wow, il va d'abord mettre en déroute le skirmisher adverse. Alors là, pareil, c'est une L2. Hein, ouais, pour une lande vert, elle a la capacité de mouvement de l'Autrichien. Alors, prise de la 12 adverse, à en dessous de 50% de perte. Il n'y a plus personne pour pouvoir revenir. Voilà, on y est. Ça, ça fait le ménage. Pendant ce temps-là, la garde. Ouhouhou, il était temps. Et repouffe et repouffe. Eh ben, la baïonnette est d'usage à la garde. Ah ben ouais, mais là il a ramassé la garde. Oui, oui, oui. Ah, nous sommes battus en retraite, monsieur. Qui c'est qui part en retraite hein? Ah, revoilà les immortels. Pour le coup, ils le sont vraiment ici. Ah là là. Alors, L3 contre du L4. S'ils sont pas trop fatigués, ils devraient les ramasser, les casser. Là. Alors, le carré s'est formé un peu tard. La cavalerie est rentrée dedans. Il est complètement difforme ce carré. Voilà, il est cassé de toute manière. Ça passera pas. Et voilà, celui-ci a eu le temps de se former et de charger dans la foulée. Et là, ça reste quand même le premier chasseur à pied. Il ne fera pas de quartier. L'anglais, il prend cher, il prend cher. Là, ils ont fait le ménage sur leur centre. Il reste un peu d'anglais qui se fait assaisonner ici. Alors là, est-ce qu'ils vont réussir à faire la différence? Ah aussi ça prend cher mais il replie beaucoup plus vite forcément. Duel 2 contre duel 5. Le français se barre dardard. La maison est toujours à eux en termes de points. L'initiative revient à l'équipe des Templiers. Ah, petite charge dans le dos. Winded sur Paget. Il va y arriver là. Dans le dos d'une lande verte. Ça devrait faire chpouf. Ah ben, ça fait pas chpouf. Bon, il fait un peu la gueule, la lande verte. Monsieur, votre général a été tué. Oh bah merde. C'est un jour noir que ce jour. Voilà, pas de bol. Pas de bol.
Elle a frissonné la lampe verte, mais une fois que le général a tué, a été tué, y a eu personne. Oui, oui, oui. Là, hop là, où tu vas, toi? Trompé de bouton. Ouf. L'anglais qui est pris en sandwich, vas-tu retrouver ton clavier, toi? Essayez de faire des trous dans la garde. Pas sûr qu'il y arrive, là. Surtout que la lampe verte va pas traîner derrière. Le bordel là, hein. Tire dans tous les sens, les unités passent à travers celles qui tirent. Oui, aïe, aïe. Eh oui, le tir ami ici, ça fait mal. Ah, la garde en pleine action, des voltigeurs de la jeune garde, ça coûte cher, enfin ça coûte cher, mais par rapport à la garde, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Oula, ça sent le. Le siège. On est encerclés, mes petits camarades de Templars. Et puis la garde, toujours en action, je te rentre dedans. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Ça tient pas des masses. C'est une dead. Infatigable, ces braves gens, là. Même Veritai Red, ça fait mal. Élevé aux hormones, les gars de la garde. Ils savent plus où donner de la tête, là, les Anglais. Nous sommes battus en retraite, monsieur. C'était le tambour de la retraite. Alors, les cuirassiers arrivent. Ici, ils arrivent à réunir leurs troupes. Ici, il a mis sous pression, mais n'arrive pas à faire lâcher. La lampe verte a diminué quasiment de moitié. Ici ça tient bien, hein. Il reste quand même une artillerie ici et qui ne tire plus sur grand monde à portée, mine de rien. Ici le français ici dans la ligne. Alors les cuirassiers vont essayer de faire quelque chose dans la garde, mais là il a pénétré légèrement le carré, qui a dû être fait un peu tard, mais n'a pas réussi son effet, n'a pas réussi à le casser. Puis faut le gérer quand même. Le carré en mouvement, sympatoche ça, ça doit. Ce qui était faisable, hein. Ce qui était parfaitement faisable dans la réalité. Et toujours cette artillerie à cheval là qui est en train de pourrir la vie de l'anglais, qui lui interdit toute avancée possible. Et puis ben à chaque fois que c'est la garde qui avance, elle défonce. Tout à l'heure, canon rayé, j'ai peur de dire canoncier. Alors, on retrouve le cuirassier qui revient pour essayer de buter de la lampe verte, mais il court pas vite, le brave homme. Ah oui, la garde s'est retournée. Ah d'accord, il a été stoppé, il y a les gendarmes qui arrivent. Je ne sais plus dans quelle direction aller. Je ne vois pas. C'est l'anglais là, qui m'a fourni le replay. Donc c'est Gilo, c'est le portugais. Je dirais Wolf serait l'autrichien. Et l'anglais, ben du coup, ça serait Oel. Bon, mon pauvre Oel, t'as pas été à la fête. Gilo non plus d'ailleurs. Celui qui s'en est tiré le mieux, ça reste. Ah bah, ici aussi, on a décidé de charger. Et puis c'est Napoléon qui donne de sa personne là, carrément. Utile le brave. Le petit caporal. Ouh, le caporal a lâché. C'est pas sûr que ça soit historique cette affaire. Ils ont toujours la maison, hein, avec quand même les grenadiers de la garde des consuls, les ancêtres. Des grenadiers de la garde. Une charge à la lampe verte, le bougre. En face, il n'y avait pas de autant de grenadiers, il n'y avait pas d'unité vraiment puissante pour aller récupérer les. Ou tenir les locks correctement.
Qu'est-ce qu'ils chargent? Bon sang. Ah, et puis il reste du temps quand même. Ils sont... Oh, c'est qui se barre là? Alors c'est du Hongrois, pantalon bleu. Alvinci, ben Alvinci, il est vaincu par le gros paquet de langues vertes qui pose de grosses difficultés face à ces braves bonhommes là. Alors cela, pas sûr qu'ils reviennent. Mais regardez-moi ça, c'est mort de faim là. À la nation, c'est ça leur tient au cœur. Bah, quand même des limites. Nous sommes sans rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Voilà. Ouh, à dégager. Bah, ça fait le ménage, hein, sur cette ligne de front. À droite, ça a dégagé sec. Et ça continue. Il envoie ses grenadiers, sans doute ceux qui étaient dans la maison. Et puis ils étaient sur la route. Alors je vous dis pas l'élan qu'ils ont pris. Ça tombe comme des mouches. Bon, il a quand même débarrassé la maison pour aller faire le ménage. C'est qu'il est très convaincu que sa manœuvre allait aboutir. C'est du français qui gagne contre du templars. Difficile de pas être content qu'ils gagnent, les français. Moi je prends mes petits camarades là parce qu'ils prennent cher sur cette action là. Ouais, là, le grenadier énervé. Oh, il continue hein. Vas-y. Woul. C'est dit hein, ça a marché pour deux. Je vais m'en faire un troisième, il n'y a pas de raison. Alors, il passe au rouge. Il va lâcher. Hein. Non, moins lent. Ça y est, c'est réglé pour ça aussi. Client suivant. Non, ils vont s'arrêter là peut-être. Alors, et eh ben vous voyez, il y avait de l'Autrichien. Il n'y a plus d'Autrichien. Ça court vite pour le coup. Et là, toujours la garde qui verrouille l'action. Bon ben, ça sent le sapin là. Bon, c'était dit, hein, puisque la partie qui a été commentée par Matou et Stanley était la revanche, évidemment. Vous n'avez pas vu à des fêtes comme ça. Ils ont été fortement secoués. Il faut dire que la garde a été utilisé vraiment de belle manière là. Et puis bah, cette vitesse ça procure énormément d'avantages. Le jeu défensif pour l'Autrichien est quand même intéressant. Mais après, quand il se fait déborder par une armée qui est très rapide, c'est rude. L'Anglais a pris cher. Les deux Anglais ont pris très cher. Ils ne gardent plus les murs. Il en reste leur artillerie qui va se faire chasser la joie. Le grenadier garde des consuls qui s'approchent. Oh ben, il y en a deux là, qui arrivent. Là, vous devez trouver le temps long de la course. Alors, ouche. Et ouche. Ben ouais, ça c'est fait. Bah elle, le pionnier, il s'est dit c'est bon. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Si la garde des consuls se barre, moi je me barre. Alors ici, ça tape un peu, mais là, t'es tranquille pour la micro-gestion. Quand il te reste deux unités, c'est simple. J'ai déjà testé, c'est pas mal. Vous micro-gérez au millimètre. Bon, c'est tendu, ça se joue à un poil d'un truc en U. Hop là, on va se calmer un peu. Ouais, mais bon, il reste cette masse là. Même s'ils ont quasiment eu leur 50% de perte, il a conservé ses mousquetaires ici. C'est tout ce qu'il avait d'élite, hein. De la cavalerie de merde, de la masse.
là-dedans, ça se bat pour la baraque. Et ils ont bien joué leur coup là. Avec le soutien de la garde. Réfugié derrière le mur. Caché derrière le maïs. Trop caché derrière le maïs. Merde. Voilà, bien peinard derrière le muret. De l'autre côté, ça peut tirailler. Ils sont peinards. Avec en bonus la couverture d'artillerie ici. Joli, hein? Belles unités, la garde. Délicate à manier. Bien joué. Rien à dire de ce côté-là. Hop! Alors, il va où lui? Ah, il se positionne. Ok, ok, ok. Je ne vois pas de cavalerie pour débarrasser le français des rifles. Ces petites bêtes là, ça peut faire des dégâts. C'est bien ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Canon. Rayé. Difficile à charger. Il leur fallait un petit marteau pour réussir à enfoncer la balle dans le fond, la poutre par dessus et vas-y que je te. Par contre en précision c'était terrible, ce qui est très bien retranscrit sur le mode. Alors il va nous faire quoi la Landwehr là en paquet de 10? Ah, celle-là est toute fraîche on dirait. Oui. 218, je sais pas d'où elle était planquée, mais c'est pas elle qui a été la plus exposée, on dirait. Hein, c'est elle qui va se charger des rifles. Pourtant, eux, ils se barrent plus vite, non? Ah, ils sont restés trop longtemps. Ah, ils sont rattrapés. Je sais pas où ils vont là, mais ils y vont. Qu'est-ce qu'ils font? Ils faisaient un petit demi-tour pour mieux charger. Pour prendre leur élan dans la pente, sans doute. Et là, ça reste un bon écossais qui tombe sur un bon paquet qui va pas lâcher l'affaire comme ça. Ça descend assez vite, mais avec le renfort de la garde, ça fait une bonne combinaison. Et vous voyez les derniers rangs qui restent en position défensive. Et qui ne permettent pas de se dégager complètement. L'anglais, tout le monde se sera fait dégager à la baïonnette. Hein. Alors Raffle qui n'est pas au contact là, qui arrive à tirailler. Ça y est, la Landwehr a lâché. Ah, c'est fichu hein, sur ce coup-là. Il n'y a rien qui pouvait vraiment tenir les locks, c'est peut-être ce qui a un peu manqué pour le contact. Et puis là, quand ils se sont fait charger énormément, ça a fait très très mal. Pourtant, il y avait du joli tir hein, chez l'anglais, mais voilà, au CAC face à la garde, il n'y a pas grand-chose qui résiste à la garde. Tout simplement, il faudrait des unités d'élite en face et il y avait l'anglais s'est fait ramasser les siennes. Et revoici l'artillerie à cheval. Très efficace, hein. Retraite, monsieur. Très efficace parce qu'elle est très mobile et puis elle a été très très bien couverte, jamais atteinte. On a pu en voir quelques exemples du coup. Messieurs les Anglais reculent sans cesse. Bon, je pense pas qu'il va y avoir maintenant d'action de jeu déterminante. Ça a été assez chaud à suivre parce que ça a tapé de tous les côtés. Pas pousser plus loin la brave fin sans doute ici de notre ami anglais Gilo sans nul doute. Et on va voir ça au panneau des scores. Et les pionniers morts de faim là, ils veulent la revanche. C'est ceux qui avaient fui tout à l'heure, ils sont revenus.
unités du génie. Ouais, ils sont venus finir fusillés. Ah, il y a quelques unités, quelques hommes là qui sont arrivés jusqu'à l'unité anglaise. Là. L'anglais a été mis en déroute. Bon, bah je vais vous inviter jusqu'au panneau des scores sur cette partie qui ne va pas être remportée par les Templars sur ce coup-là, mais qui a été assez haletante. On voit ici les points pris 3. Enfin, celle-là, c'est où ça? Ouais, c'est ici, il n'y a plus personne dedans. Ouais, ce bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi. Encore un de moins. Soit. Ils essayent de tout rafler d'ici la fin. Bon, là-bas, ils l'auront pas. Hein. Ça me semble. Il y a deux unités. Il y a quoi là-dedans? Un foot. Il est tout frais. Ouais, grenadier. Enfin, il reste pas grand monde, les grenadiers. Vous voyez, grenadiers de la garde impériale là-bas. Ils sont 38. Toujours là. Têtu, ces petites bêtes. Bon, à dire des conneries, moi je vais finir par atteindre le tableau des scores sans quitter le jeu. La partie du moins, là où là, il est flanqué, méchamment flanqué, il a décidé de plus reculer, donc ça va être une fusillade. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Sur le flanc, ça fait très très mal. Et puis c'est la garde qui s'y colle, une nouvelle fois, il a décidé des retire raid, une charge serait peut-être compromise, quoi qu'on a vu. C'était bien têtu. Sur les plans, ça dérouille. Hein. Donc ça dérouille partout. Et puis il n'y a plus l'aura du brave Paget qui a fini. Nous sommes dans battus une bande verte. Et encore l'anglais qui se bat là-bas là. Avec toujours cette saleté ici. Une nouvelle charge, on va sur les rifles, ça devrait être vite fait, puis ils sont sur la route. Peut-être finir par les atteindre s'ils tirent pas une bonne rafale juste avant l'impact. Ils sont morts. Impact. Ils sont morts. Ouh, ça s'est joué à peu de choses. Deuxième chasseur à pied là. Et puis là, même chose. Avec toujours ces saletés de longueur. On va y arriver. Voilà, bon, ben, c'est dégagé de ce côté-là, c'est dégagé là. Et puis là-bas, ben, il va essayer d'avoir la maison. Bon, ben, GG en tout cas, hein. C'était une bonne grosse baston. Ça a dû être bien, bien chaud quand même. Il y avait de l'espoir, mais c'est pas passé. Allez, zou, on va au tableau des scores. Voilà pour la petite histoire, bah, la maison n'aura pas été prise par les Français qui envoient plutôt Jean-Marie d'Orsène à quelques secondes de la fin. De la fin qui est ici. Time terminé. Ah bah non. Ah bah si. Alors, ben bah, oui, c'était Wolf avec son Autrichien, Gillo, qui m'avait fourni le replay. OL. Alors, Gillo, son artillerie. Waouh. 253, celle-là, elle a dû être bien placée. Celle-là, elle a eu légèrement moins de chance. Paget, il aura fait le taf quand même. Non, il sera mort dans la gloire. Alors lui, il a dû ramasser de la garde en pleine face sans pouvoir trop faire autre chose. Et quand même, ça a été sévère face à la garde. Mais c'est tout ça, c'est honorable. C'est surtout elle qui a souffert là de ses charges. Il n'a pas pu se dégager comme il voulait. Et puis ben en face, la garde où est-ce qu'elle est? C'est le lieutenant. C'est Kevin qui avait la garde. Ok. Ben il s'est bien amusé, le petit Kevin.
Voilà, ben joli score pour eux. Sans doute, à mon sens, un manque de CAC de notre côté, d'unité de grenadiers. C'était très bien joué globalement. L'offensive des RG était bien, bien faite. La défense a été très délicate face à un jeu comme ça, très offensif. Et puis, ben, il y avait à un moment plus d'avantages, vraiment plus de cartes à jouer, hormis le tir, et ben ils n'ont pas laissé cette chance, ils ont chargé autant qu'ils ont pu avec cette armée d'Aldi là, 3360 hommes, c'était assez énorme, il acceptait d'encaisser énormément de pertes, ils ont joué sur la masse sur ce coup-là. Vous voyez la différence, hein, il lui restait encore la moitié de son armée, on va dire. C'est une stratégie comme une autre. À côté de ça, la garde, 1300 hommes, ça n'équilibre pas l'addition. C'était costaud. Belle partie, en tout cas. Bien joué, les gars. C'est sûr que c'est quand même plus facile à commenter que d'y jouer. Ça reste une constante. Ben, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à une prochaine. Salut à tous. Ah oui, avant. On est passé, les Templiers et compagnie sont passés sur Discord. Communauté NTW3 est passée sur Discord. Je vais vous filer les coordonnées à la fin, comme d'habitude, à la place du TS. Et bonne journée à tous, à une prochaine pour de vrai.